Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Scoutidien. En ce mois de mai, consacré à la Sainte Vierge Marie, c'est un programme légèrement raccourci que nous vous proposons aujourd'hui. Reportage sur un beau projet mené par deux cheftaines de Louvette, de l'ouest de la France. Bienvenue dans le quotidien des guides et scouts d'Europe. Bienvenue dans Scoutidien. Partons donc, sans plus attendre, à la rencontre de Laure, cheftaine à Tours, et Camille, cheftaine à Saint-Nazaire, ainsi que de leur Louvette, qui ont su redonner le sourire aux résidents d'une maison de retraite pendant le confinement. Alors avec Camille, on a décidé de faire participer nos Louvettes à travers notre projet, en leur demandant de nous envoyer des poèmes, des lettres et des dessins pour les personnes âgées. L'idée des deux cheftaines a séduit toute la clairière. Les œuvres des Louvettes ont rapidement été distribuées. Elles reçoivent des dessins qui sont imprimés, qu'elles ont physiquement dans leurs mains, qu'elles peuvent accrocher dans leur chambre. On transmet à peu près une dizaine, une quinzaine de dessins chaque semaine, rien que par les appels qu'on peut avoir tous les jours quand on appelle nos résidents. Ces dessins reviennent souvent dans la conversation. Les résidents sont très joyeux et apprécient beaucoup cette démarche. En lisant les lettres des Louvettes avec Camille, on est impressionné de la foi qu'elles ont et ce partage qu'elles offrent à des personnes qui sont seules, ça leur donne vraiment une force et à continuer à travailler toutes ces valeurs à travers le scoutisme, même si elles sont chez elles, c'est toujours possible d'aider les autres de loin. Merci à vous tous d'avoir regardé cet épisode. Malgré les circonstances exceptionnelles, n'oubliez pas que c'est vous qui faites vivre ce quotidien. Alors n'hésitez pas à nous partager vos vidéos. On se retrouve d'ici 15 jours et en attendant, appliquez les gestes barrières. À bientôt !